Alors Catherine et Bruno, nous sommes en train d'arriver à Saint-Nazaire. Quelles sont vos impressions? Ah bah, c'est magique, bon, accompagné par tous ces bateaux, là, c'est vraiment un moment qu'on n'oubliera pas. Hein. Surtout de l'intérieur en plus. D'habitude on ne voit qu'à la télé et là on vit vraiment l'intérieur du bateau. Là, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment fantastique. Alors vous avez embarqué hier à Cherbourg, comment s'est passée cette traversée? Très bien, un peu de remous cette nuit. Mais bon, arrivé ce matin, le réveil a été plus calme, on va dire. Et ce matin, au réveil, il y avait donc la marine nationale qui était bord à bord avec le Queen Mary 2. Qui nous entourait, oui, tous les bateaux. Là, un Allemand, un Irlandais, un Anglais, je pense. Il y avait plusieurs nationalités. Un peu une réaction à chaud, ouais, sur cette arrivée à Saint-Nazaire. Eh ben, c'est super sympa, nous on a eu la chance de passer par la plus petite écluse, mais on a des petits bateaux. Donc quand je vois là la taille de la forme dans laquelle le Queen Mary va s'enfoncer, on se demande comment ça va passer. Et c'est impressionnant, et comme on a eu la chance, nous en descendant la voir jeudi, d'avoir beaucoup de monde pour accueillir nos bateaux, là on voit aussi qu'il y a énormément de personnes là, qui sont venues à Saint-Nazaire. Et c'est vraiment chouette parce que voilà, c'est une belle fête des bateaux, une belle fête de l'histoire, des commémorations qu'il peut y avoir, et donc c'est vraiment c'est chouette d'être, de pouvoir vivre ça, d'être